Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Je regrette juste de ne pas l'avoir compris plus tôt. Dans ce cas, et bien la permission de l'épisode 2, Fallout 4. Conférés, donc il se marie finalement. Déclare mari et femme. Toutes ces années à ses côtés, et je ne m'étais même pas rendu compte à quel point elle comptait pour moi, jusqu'à ce qu'elle m'en parle. Vous m'avez aidé à prendre une décision importante. Merci. Je pense savoir ce qu'est l'amour maintenant. Edna. Je suis si heureuse. Tu m'étonnes. Bah, je suis content pour vous deux. Bonjour, monsieur Zwicky. Je me moque de ce que les gens peuvent bien penser. Ah. Nous nous aimons. C'est bien. C'est bien. Bon. Bah voilà une bonne nouvelle qui nous change un petit peu. Le temps est pas top, mais voilà. Mais écoutez, salut les viewers. Donc c'est Marcus Bonus et bienvenue dans l'épisode de Fallout 4. Donc moi j'étais venu là en fait pour revendre. Évitez que vous ayez à. D'accord. À comment. À participer à la vente. Bah écoutez, on va le faire ensemble. N'allez surtout pas dire. Donc on va aller dans mes soins, on va vendre les bouchées, les chips, les côtes de chien, on va vendre 6, hop, truc de flotte, un petit peu de jet, un petit peu de medix, un petit peu de manta, une poche de sang luminescent, du psychojet, pardon, le radix et le radar, oui, on va le garder, le sang irradié on le donne, qu'est-ce qu'on peut donner d'autre, le sérum on le garde, faudra que je le range. Et tout le reste, on va le garder. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui acheter à cette demoiselle? Est-ce que t'as des choses sympas à nous fournir? Au niveau des armes, non. Agilité, perception, ça ne m'intéresse pas. Au niveau des soins, tu vas bien avoir un petit... qu'est-ce qu'on n'a pas? 27 steampack. On n'a peut-être pas beaucoup de steampack. Peut-être pas 9, mais peut-être plutôt... Hop, 1 ou 2. 2 potentiellement. 3, tiens. Hop, voilà. Merci à toi. On va aller voir au niveau de la bouffe, dégage de là, c'est à moi de cuisiner, merci. Drogue et médicaments en vente libre. Drogue et médicaments en vente libre. Il me fait marrer celui-là. Vous avez vu cette espèce de dirigeable? Oui, je l'ai vu, mais... Écoute... je suis pas encore allé le voir. D'ailleurs, on va faire plusieurs choses dans cet épisode, chers amis, normalement. Alors, Kenigou qui me regarde l'air de dire... Bah, qu'est-ce que tu branles? T'as des choses à faire? Radio, d'accord, les cartes, les données, voilà, moi c'est les données qui m'attendent. Je suis plein de saloperies, littéralement plein de saloperies. Je vais regarder juste un truc, c'est pas dur, hop. Est-ce que t'es rempli aussi? T'as quelques petites choses, effectivement. Aucune crainte. Mes armes, chute, ça fait boumangan, cocktail molotov, on garde. Hache de grognac, on va la garder. Pour le plaisir. Lance-glaçon, ouais, tout ça. En fait, j'ai beaucoup d'armes sur moi. Il m'avait bien prévenu que j'avais beaucoup trop d'armes sur moi. Wolverine pèse 12, la vache. Et la fameuse mitraillette en argent que je vais donner aussi à Kenigou. Le tuyau que je vais garder, pistogel que je garde, cloneur de balles que je garde, le lance, d'accord, ça je garde. Et juste le Fapman que j'aurais... Ah non, j'ai 11 mini-bombes, je vais être en mesure d'utiliser en cas de pépin. Bon. Bon, déjà ça... Déjà ça. Alors, on a donc plein de quêtes à faire, chers amis, dans cet épisode. On va commencer par le plus bas, on doit aller explorer la fosse. J'avais envie de commencer par ça, parce que ça va permettre, en fait, ce n'est pas simplement aller rendre la quête. Rendre les quêtes, je pense qu'on le fera une fois qu'on aura fait quelques petites choses dans cet épisode à côté, pas faire simplement aller voir à gauche, à droite, à qui donner telle ou telle chose. Libérez votre esprit, référence à Matrix, une fois de plus. On l'a très souvent, je pense que c'est en rapport avec le fait qu'on doit aller la voir à Good Neighbor. Bon. On va se remettre dedans un petit peu. Je recule mon matos. Hop, est-ce que je peux le passer un petit peu sous le... Voilà. Crac. Pour parler à quelqu'un, je sais comment parler à quelqu'un dans le jeu au bout de 33 niveaux, merci. C'est vrai que je ne fais pas assez souvent les poches, par contre. Mais je m'y mettrai peut-être. Yo. Qu'est-ce qu'on avait sur nous en ce moment? D'accord. 139 balles, ça va, c'est potable. Peux-tu me sortir mon arme, s'il te plaît? Merci. Voilà, on a ce qu'il faut. Voilà, c'est là-bas. Ah bah écoutez, on y va. C'est en plein est. On y va, et on verra bien ce qu'on va trouver donc sur le chemin. Une espèce de casse. L'avenir, évitez de nous sous-estimer. Nous
n'embêterons plus personne maintenant. Plus de chiens. Vous trouvez quelque chose d'intéressant? Un jeton de métro, je sais toujours pas à quoi ils servent, chers amis, mais je crois qu'ils doivent être utiles. Ils doivent être utiles. Y'a rien par là, c'est bien dommage. Mince, y'a rien. Mince, y'a rien, tout à fait. Oh bah alors. Pardon, je t'ai tiré dessus. Je crois que je t'ai fait un deuxième trou de balle, mais bon, t'en avais pas besoin du premier déjà de base. Maintenant, fini de rire. Ah. Au travail. Je rêve où il a survécu la tête, enfin sans tête. Espace un instant. Intriguant, intriguant, intriguant. Beaucoup de chiens par là. Bon. Ok, toi t'es un garde. Qu'est-ce que tu fais là? J'en ai aucune idée, mais t'es un garde. Donc t'es pas méchant en soi. Boîte à outils déverrouillée novice. À ce point-là? Ah bah dis donc! Voilà! C'est bon. Des cartouches, des cartouches, des cartouches. Un pistolet moisi, une carabine moisie. Ok, pourquoi pas. Boîte de cigares, des capsules. Un établi d'armure, quand même. Un garde, donc c'est un poste avancé en fait de garde. Pourquoi pas, c'est intéressant, ça montre que. Qu'ils essayent, entre guillemets. Ah oui, c'est le mur encore d'enceinte. Ah, génial. Oula. Centrale de police numéro 8. Pourquoi pas? Ah putain de rapiefard. Je teste ces saloperies. Ah, ça va chier. Oh. Pardon, Canigou, ça fait deux fois que je tire dessus, je suis désolé. Qu'est-ce qu'il y avait par là? C'est une armerie. Hop, quelques capsules, quelques cartouches. Terminal d'épreuve, pardon. Pourquoi pas. Incitation à l'émeute. Même de sport dégradé, bon, d'accord. Donc ça c'est l'épreuve, oui d'accord. Ce qu'ils appellent l'épreuve c'est les... D'accord. Objet holoband dans quelques cas d'épreuve de police. D'accord, dépôt de preuve de la police. Ah. Ébriété publique. Un vol simple. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pousse-toi, Canigou. Merci. Des chiottes. Est-ce qu'elles sont verrouillées juste pour la forme? Non. Oh. Le band d'Eddie Winter. Message à l'attention de Rodrigo Palomar. Ok, mon pote. J'ai bien réfléchi et j'ai pris ma décision concernant le coup de Fallos. Ta part se monte exactement à ce que tu mérites. $0. Ouais, tu m'as bien entendu. Rien du tout. D'accord, t'as ouvert le coffre et on a récupéré les diamants. Sauf que t'as aussi déclenché l'alarme. Maki s'est fait serrer et c'est à 100% de ta faute. Quand il sortira du trou, il voudra ta tête sur un plateau. Mais au lieu de ça, je vais lui donner ta part. Si tu veux mon avis, tu t'en Ça m'intéresse. De la part d'Eddie Winter. J'aime bien comment il précise à la fin. Y a pas beaucoup d'action. Yo. Je suis curieux de savoir qui tu es. Je ne sais pas qui c'est, si les gens sont au courant. N'hésitez pas à me lire, je serais ravi de le savoir. Ah oui, je me rappelle de là. Trinity Plaza. J'avais cru que c'était une... Un repère de pillard. Ou d'artilleur, j'avais dit, je crois. Ça remonte à loin, pourtant, hein. Putain. Yo, les mecs. Quoi? Qui est là? Ah. Ni des pillards, ni des artilleurs. C'est quoi, ça? Super mutant. Évitez de faire tomber les verres, les gars. Ah.
Alors lui, il a vu plus ou moins d'où venait le tir. Viens voir un peu par ici. J'ai un cadeau pour toi. Oh, un cadeau, j'adore les cadeaux. Croyez que ça va être cool comme cadeau? Allez, sors de ton trou. C'est un livre en retard? Livre brûlé. Bon, c'est pas grave. Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Alors, on a les toilettes dame, pardon. Rien du tout. Oh, bah, je suis vexé. Il y a quelque chose dans les parages. Non, il y a personne. Je te promets, il y a personne. C'est quoi ça? Ça va être rien du tout, t'es mort. Capiche? Bon. Je récupère mon arme. Pas celle-ci, pas celle-là, celle-ci. On va y aller. D'abord, avant de faire le toit, j'aimerais faire au moins ce niveau-là. Ce serait cool. Le garde-manger était par là, apparemment. Gardez même du jambon. Oh, la marmite! Marmite qui me rappelle un petit peu celle des géants dans Skyrim. Oh, une poivrière. Ok, bon. Ah, ça ressemble à un coffre. Bah non, apparemment non. Je vais dans le fion. Oh. Boîte à outils novice, allons-y. Non. Non. Voilà. Génial. Alors. Non, ça j'en veux pas. Glacière, ça je prends. Avant d'aller dans les catacombes de l'endroit, j'aimerais profiter un maximum de la zone en question. Tout ce gros coffre. Oh. Histoire à dormir debout. Et voilà. Plus 5% de dégâts supplémentaires au super mutant. Cool. Et du psycho en dessous, c'est génial. Oh. Bah, je prends. Ah, par contre, elle va me prendre un petit peu trop de place. Nick? Nick, où tu es? Où tu es, mon pote? Ah merde, Nick? Bon, il doit être en dessous. Je présume. Voilà, Nick. Yo. Voilà ce que j'ai. Je pense que j'ai quelque chose qui va te plaire, Nick. D'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais que tu sois dans l'équipe. Alors. Tiens. Cadeau de la maison. Wouhou. Un crâne, livre en retard, livre brûlé. On va prendre le livre en retard parce que voilà. D'accord, donc ça menait juste ça, à ça. Si je monte. Un petit peu de scotch et une clé à molette, pourquoi pas. Ça, c'est les poids qui tenaient le reste. Techniquement, vu qu'on n'a pas été plus tiré dessus que ça. Oh. Poche de sang vide. D'accord. Référence à un quelconque vampire, peut-être. Ok. Livre brûlé, un autre de plus. Oh, tu m'as fait peur, Nick. Tombe. Merci. Je préfère quand t'es en bas, en fait. Heureux. Bon, alors. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Alors. Il doit y avoir un paquet de choses. Des choses sympas, normalement. Oh. Des chiottes. Ça, c'est des choses sympas. Crac, bonjour. Oh. Run away for... par deux, pardon. Ah, le v'là. Hop. Ok. Des trucs de rechange. Il faut regarder partout, du coup. Sans pour autant tourner le dos à tout ce qu'il pourrait y avoir là-dedans.
Magazine de société, merde. Ok. Livre brûlé, il n'y aura pas une Bible par hasard dans le coin. Livre en retard. Toi, tu ne m'intéresses pas. Oh. Là, c'est pour ressortir. Là, c'est une bouteille. Un livre en retard encore. On aura trouvé un paquet ici. Pour ceux qui n'ont pas eu le nombre, maintenant vous savez à peu près où chercher. Hop. Manuel brûlé. Ok, créé. Bol. Rien de très. Très étrange. Oh. Dentifrice. Dentifrice d'époque, chers amis. S'il est vert, c'est pas parce qu'il a la menthe. Ça, ça pue, ça. C'est dégueulasse. On a proprement parlé, dégueulasse. Bon, bah on aura fait le tour. Et ben, on ressort de l'église. Par la grande porte. Hop! Alors! Ouais, bah une église pas très intéressante, on va dire. On aura trouvé un magazine, vous me direz. Alors. Les chargements sont un petit peu longs, je trouve, depuis quelques temps. Mais enfin bon, ce n'est pas grave. Trinity, aide-moi! Ah, il va y avoir des super mutants dans le coin aussi. Ah, mais c'est pas la fameuse tour dans laquelle je cherchais les bonhommes? Si, si, ce serait bien ça. Bonjour. Tu ne me vois pas? Mais c'est... C'est Strong! Qu'est-ce que tu fais là, mon pote? Hein? Hey, Strong! Strong, pars avec toi. Pas encore. Bientôt. Vite. Y a plus rien. Apparemment, il a assez buté, le Strong en question. Ça fait une grosse erreur, mon pote. Wow. Vas-y, Strong, attaque. Pas qu'il en reste plus. Ouais, je crois pas qu'il en reste non plus des masses. Par contre, j'entends encore un vertiptère. Alors, la fosse. La fosse, c'est par où? C'est sympa ce qu'il y a là-dedans. Un camion militaire avec... Oh! Génial! Sur l'autre côté, regardez. Oh! Et le vertiptère est juste là. Club Ballistan. Oh merde! Mikhail, lettre déchirée. C'est vrai que c'est pas sérieux. Oh merde. Inventaire. Divers. Lettre déchirée. Alors. Tu sais à quel point tu me manques, mais c'est trop dangereux. Tant que tu restes à Diamond City, je sais que tu es en sécurité. Ta décision est irrévocable. Essaie de moins de limiter les risques. Voyage de nuit, ne quitte pas la rivière. Quoi qu'il arrive, reste trop loin du jardin de Boston Common. D'accord. Ah bah oui, c'est parce qu'il y avait le... Mais vous êtes des pillards, vous, les mecs. Je crois qu'on n'est pas seul. Ça fait tirer droit. Putain, tu vas me payer. Fais pas chier. Kenigo, attaque. Parfait. Il est plus là l'autre machin normalement. Ok. Pas bien. Il en reste semble-t-il. Ah non, c'est un super mutant. Hop là. Parfait, par contre il va me falloir un Radaway.
Alors, un Radaway. Hop. Et du coup, je vais prendre un steampack au passage. Tu veux vraiment que ce soit la dernière gueule que tu vois? Alors, la fosse était par là. Pareil qu'il y avait des choses intéressantes à y faire et à y voir. Je vais en être. T'en as dans le ventre. Eh, plus pour longtemps. Ok. Tiens. Ok, je l'ai eu finalement. Oui, oui, c'est ce qu'ils me disent tous à chaque fois. Maintenant, finis de rire. Ok. Je vais monter là où il était. Ok. Rien à foutre, je me casse. Fais pas chier. Bête, on commence à devenir copains. C'est bête, hein. Merci pour vos cartouches. C'est toujours sympa. Là, il n'y a rien à part un point de tir. D'accord. Pourquoi pas. Donnez-moi vos cartouches, s'il vous plaît. Merci. Encore un peu. Merci. Alors, la fosse. Combat zone. Sympa. Rien que le nom, ça me plaît. Un petit peu d'action, alors. Je veux tout savoir de cet endroit-là. Si c'est une espèce d'arène, croyez-moi qu'on va y faire des morts. Yo les mecs. Mais ils sont vivants. Ah, mais je veux participer à ça, moi. Il est en train de te botter le cul. Qu'est-ce que... Ce type a rien à faire ici. Faites-lui la peau. Quoi? Comment t'as fait pour arriver là? On s'en prend plein. Mais je venais pour combattre. Je vois plus rien. C'était pas... Ça en devient. Je venais un pour combattre. Eh, hey, pas mal. On a de la suite dans le... Je venais pour combattre, moi, les mecs. Vous êtes casse-couilles. J'aimais pas sa gueule de toute façon. Mais c'est n'importe quoi. Mais moi je voulais combattre. Est-ce que je suis dans une espèce de zone VIP ou je sais pas trop quoi? Ah, c'est vous que j'ai tiré, j'aurais peut-être pas dû. Voilà. Yo. Vous croyez que c'est fini? On veut pas d'ennuis. Pas plus que ceux qu'on a déjà en tout cas. T'as qu'à aller voir, espèce de dégonflé. Et puis quoi encore? Je suis trop jeune pour mourir comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, vous avez fini de tout casser? C'est fini? Ouf, je m'attendais à pire. Eh non, je m'attendais pas à ce genre de visage. Je sais pas. J'ai pas le fait de une boule, mais... spectacle de là où j'étais. T'es encore défoncé ou quoi? Bah, quelle question. Je sais bien que c'est oui. J'étais quand même en train de gagner, non? C'est parce que t'es défoncé que tu fais des conneries. Mais bon, j'imagine que c'est pas ce qui va te préoccuper maintenant. On se retrouve au chômage, du coup. Je sais pas si je dois vous remercier ou demander à mon petit oiseau de vous faire bouffer vos tripes. Je t'ai déjà dit de pas m'appeler comme ça. Que vous sembliez avoir des ennuis. Pardon. J'avais l'impression que vous aviez des ennuis. Des ennuis? Non. Mais on gagnait notre pain en divertissant ces abrutis. Je sais pas ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant. Oh, pauvre de toi. Il en viendra d'autres de toute façon. Laisse-moi juste une minute et j'y retourne. Une minute pour faire quoi? Pour que tu t'injectes encore cette saloperie? Non. Tout bien réfléchi, c'est peut-être pas une mauvaise chose ce qui vient de se passer. Vous avez vu la fin de ce combat. Qu'est-ce que vous pensez de Kate? J'ai pas tout vu. Difficile à dire. Je n'ai pas tout vu. Ouais, j'imagine que faire le ménage nécessitait toute votre attention. Beau boulot d'ailleurs. Après cette petite démonstration, j'ai un service à vous demander. Bon, voilà le problème. Depuis quelques instants, j'ai plus le moindre public. Et donc, plus aucune chance de gagner des capsules. Ouais. Et si tu me rapportes pas de capsules, tu me sers à rien, petit oiseau. Pire, tu deviens un boulet. Me fais penser à Clegane. Pour toi comme pour moi. Alors, voilà ce que je me disais. Si vous repreniez son contrat,
Elle vous accompagnerait? Elle couvrirait vos arrières? Ça me rendrait bien service le temps que je remette un peu d'ordre ici. Qu'est-ce que vous en dites? Moi? Avec lui? Pourquoi? Pourquoi voudriez-vous qu'elle m'accompagne? Ouais, Tommy. Je peux savoir pourquoi t'essaies de te débarrasser de moi. Écoute, cette saloperie que tu t'enfiles, ça te rend de plus en plus imprudente. Ah bon? Et je veux pas être celui qui devra commenter la scène le jour où tu te feras dessouder. Ok? Alors ce serait vraiment sympa si vous me rendiez service. Vous deux. S'il vous plaît. Oh putain! Et la vie de Kate? J'aimerais avoir la vie de Kate. Et moi? J'ai pas mon mot à dire? C'est pas comme ça que ça marche, un contrat. Et puis, tu veux vraiment rester ici? Pas de public, pas de capsule. Et t'aurais plus que moi à qui causer. Parle pas de malheur. Ok, pigé. Voilà. Oh putain! Ça. Donc elle est partante. Oh la gueule! Et vous? Pourquoi pas? Quelqu'un pour m'aider, ce serait pas de refus. Parfait. J'ai un chien, un robot. Je peux avoir une femme. Prenez ça. C'est la recette du dernier combat. Et il me paye en plus. Qu'est-ce que tu vas faire sans moi? T'en fais pas pour moi. Je vais tout nettoyer et après j'essaierai de trouver une clientèle moins sanguinaire. Allez, fiche-moi le camp. T'es plus la bienvenue ici, petit oiseau. T'es vraiment un salopard de première, Tommy. Pas la peine de me le dire. Bon, t'auras qu'à venir me trouver quand tu voudras y aller. Ok. Eh ben, écoute. Kate. Alors, on y va? Alors, on y va? C'est bon pour moi. J'en pouvais plus de rester planté ici. Me regarde pas comme ça, espèce de râteau pas la con. Oh là! Oh là 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 là. Sanctuary, tiens, vas-y, va à Sanctuary, Kanigou. Kanigou, reviens. Kanigou! Viens là. Viens, mon grand. Il est temps d'y aller. Ah, ça lui a pas plu, hein. Bon, un instant, je le rappelle. Voilà, re, chers amis. Donc maintenant, j'ai une femme, un synthétique, un vieux, et un robot à mes ordres. Alors, juste, je voudrais voir. T'as pas quelques trucs si sympas je te pour donne, moi par exemple, imaginons. Au niveau des armures, si je te donne. Un bras gauche synthétique, est-ce que tu serais capable de t'en équiper? Oui. Ah, on va peut-être trouver des choses sympas à lui mettre alors. Parce que lui on peut pas changer par exemple son équipement. Kate on peut, bon bah cool alors. Ça pourrait être sympa d'avoir un personnage customisé. Parce que bon, on a une aventure qui semble sinon très très banale avec Nick Valentine qui peut pas être modifié et Dogmeat qui a une customisation assez assez faible. Secret de Brasserie, nanana, dernier voyage, l'ombre de la confrérie. Silver Shroud, bah écoutez, on pourra aller voir là-dedans. Ah oui, mais il est complètement buggé, c'est ça. C'est ça. Ouais, donc s'il est complètement buggé, j'aimerais voir un truc. Encore une fois, désolé, chers amis. Hop. Heureux, chers amis. Alors, on va se rendre quand même, malgré tout, là où est notre cher Hancock. C'est-à-dire qu'il est actuellement... Il est actuellement normalement ici, voilà. On va aller le voir, apparemment on le prend dans l'équipe. Il va accepter de nous donner le texte. C'est un léger bug, mais apparemment le prendre dans notre équipe lui permet de lui donner en fait de quoi parler. Mais écoutez, on va le voir. Et on verra bien. Alors c'est soit ça, soit en fait le bug est qu'il faut le ramener à Neighborhood. À Good Neighbor, pardon. Donc on va bien voir, hein, on va vraiment tester le truc. Où es-tu, l'ami? T'es l'autre saloperie, toi, ouais, voilà. La crapule. J'ai déjà payé. Alors, il est par là, apparemment. Ah, il doit être avec les Tylotrons, forcément. Bah oui, t'es en train de discuter avec les Tylotrons, ça m'étonne tellement pas. Alors, de toi. On se remet en route, c'est bon? Faisons comme ça. Allons-y. Ça marche. Bien. Désolé, le chien. On envoie Kanigou à Sanctuary, c'est pas grave. Hey, voilà. Vous avez toute mon attention. Parlez. C'est marrant de se déguiser, hein, moi je dis pas. Mais vous avez mis le pied dans un bordel voilà. Qui risque de vous péter à la gueule. Les petits merdeux que vous avez descendus pour ce bon vieux Kent, ils faisaient tous partie de la même bande. Ah ouais? Et leur boss est pas du genre à se laisser marcher sur les plates-bandes sans réagir. Ça me dérange pas. Vous me suivez? C'est qui cet enfoiré? Sinjin. Il a transformé une bande de pillards à deux capsules en espèce de mafia. D'accord. Pour l'instant, on peut encore l'arrêter, mais si on le laisse faire,
Je sais deux ou trois trucs sur certains de ses lieutenants. Il y a Cathy Beldan, qui opère du côté de Booker Hill. Et Norty, cool. qui gère Prospect Hill. Ils vous diront peut-être où trouver leur boss. Si vous leur demandez gentiment, à coup de mitrailleuse, Goodnighter se porterait beaucoup mieux sans Ah. Parlez-moi de lui. Parlez-moi un peu de lui. Les pillards sont sans pitié. Mais Sinjin, c'est encore un autre niveau. C'est un bon gamin. Il a rasé quelques fermes, grillé ses propres hommes au napalm pour tuer un ou deux rivaux. Mais en dehors de ses tristes exploits, personne ne sait rien sur lui. Si on lui règle pas son affaire aujourd'hui, il faudra peut-être revenir avec une armée dans quelques années. D'accord. Où est-il ? Vous ne savez pas où le trouver ? Non, personne ne sait. C'est le genre de type qui aime rester dans l'ombre. Mais si vous continuez à chatouiller ces hommes avec votre mitrailleuse, il finira bien par sortir de son trou. Vendu. Et donc, si c'est pour le bien de la communauté, je ne peux pas refuser. Vous savez quoi ? Je vous aime bien. Si vous me débarrassez de Sinjin, je trouverai un moyen de vous remercier. Vous me suivez ? Ouais, je te suis. Kanigou ! L'abandon ! L'abandon ! Le prochain qui me fait des avances se prend mon genou dans l'entrejambe. Pigé ? Le prochain qui me fait des avances se prend mon genou dans les couilles. Ok, Kanigou, tu es où ? Dis-moi où tu es. Je sais bien que la vie à Goodnighter est... Moi, je veux Kanigou. Mais quand on voit les alternatives, dans un endroit comme Diamond City... Kanigou ? Les habitants n'ont que mépris pour les ghouls. Curie là-bas. Depuis notre conversation, je me sens en pleine forme. Nous deux, à son tuarie, paré pour l'avenir. Là, ça se regarde en mode amoureuse. Ça ne vous dérange pas de faire... Tous autour de l'Hylotron, par contre, ça fout un peu les boules. Bande de poivrons. Kanigou, me dis pas que t'es autour de l'Hylotron, toi aussi. Je préférerais aller descendre une pinte ou deux, mais ça fera... Kanigou, il me boude ou quoi? Bon. Alors. Ok. Voilà. Kanigou, t'es où? Là. Bon. Non mais oh, allons-y. Viens, mon grand. En voyant Coq à Sanctuary, il est très très bien à Sanctuary. Retourne voir ton... Comment ton éthylotron. D'accord? Bon. Alors. Je suis techniquement censé aller où? Silver Shroud, d'accord. Ok, au niveau de Bunker Hill, et l'autre c'est au niveau de... Watts Consumers Electronics. Bon, bah on s'y téléporte. Ok, il est moche. Voilà, ce qu'ils ont fait la même connerie au niveau des poils que dans... Que dans Skyrim. C'est extrêmement laid, je trouve. Enfin bon. Il y aura bientôt des mods, hein. Une fois qu'ils auront sorti les trucs officiels, les outils officiels, il y aura de meilleurs mods pour préparer le jeu, entre guillemets, modifier le jeu. Alors. Putain, ma jambe est touchée. Ah bah c'est con. Ah merde, j'avais trouvé un truc sympa à te mettre. Bah c'est con. Bah on trouvera, t'inquiète pas. Allez, ramène tes fesses. Nick ? Oui, Nick. Là, t'es là, je t'avais pas vu, t'es tellement gris sur gris. Je vais lui mettre un mode, chers amis, pour qu'il semble à Dick Tracy, comme j'en avais parlé. Et vous allez voir, il va être tellement plus classe. Laisse-moi faire quelques emplettes, ok? T'inquiète, je casserai rien. Elle parle bizarre, quand même, hein. Oula, mais ça tiroille. C'est quoi, là-bas? Ah non, c'est la voiture, ok. Par contre, ça tiroille pile là où ça m'intéresse. Yo les mecs. On se calme. J'ai dit on se calme. T'es qui, toi? M'obligez pas à tirer. Hop. Oh.
Vous les avez ou pas? Mais c'est qu'ils sont bien habillés en plus, eh. Une bonne manière. Ah pardon, j'ai séparé ta tête de ton corps. Dis-moi tout ce que vous pouvez pas porter. Ça pourrait très bien lui aller à la gonzesse, ça. Il y a beaucoup de personnes que ça dérange en fait, les filles qui s'habillent en hommes. Hey. Il y a des filles à qui ça va très très bien. Hein. Je suis désolé. Hein. Relation. Comment ça se passe entre nous? J'imagine que je suis mieux ici que dans la fosse à me friter dans une cage entourée de pillards qui me reluquent la bave aux lèvres. D'accord. Avis sur la situation. À quoi tu penses? Ah, je peux pas lui en donner parce qu'elle se considère encore en combat à cause de l'autre trou du cul qui est vivant. Ok, bon, je la bats. Sans, je suis obligé de la battre. Oh merde! Un bruit. Oh merde! Laissez une carte de visite. Voilà. L'ami. Oh, changer. J'espère que tu vas partager. Je partage. J'aimerais que tu mettes ça. Est-ce que c'est possible de te demander de mettre ça? Ah! Voilà! Plus là, Elle a la classe ou elle a pas la classe? Ok, il est pas tout seul. Ah bon. C'était sûrement rien. Ok. J'entends quelque chose. C'est quoi ce bruit? Ok. Ok. On peut passer? Oui. Alors, oui, maintenant le minute pour venir le bureau d'habitude. Oui, d'accord, j'arrive. Deux secondes. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Niveau 34. Niveau 34, on a quoi? Plus de munitions, non, pourquoi pas, mais non. Donner des ordres précis, non, ça m'intéresse pas. J'aimerais un minimum de réalisme en fait, chers amis. Ça, ça pourrait être cool par contre. Ok. C'est quoi la différence entre... Ah oui, d'accord, il y a des animaux et les bestioles différentes. D'accord, pourquoi pas. Il n'y a pas un truc genre qui permet d'avoir un canigou beaucoup plus efficace. Ça peut être sympa, ça aussi. Bon, je pense qu'on va opter pour de meilleurs dégâts ou de meilleurs... Je sais pas. Ou de meilleurs Steam Pack. De meilleurs Steam Pack, allez, c'est parti. Ok. Bon. Lui, c'est fait. Et nous, on va se laisser là pour cet épisode, les amis. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, dont vous trouverez le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Il se barre. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. N'hésitez pas à dire si vous pensez qu'il y a trop de followers. Je trouve ça sympa d'avoir plusieurs followers différents. Bon, surtout en fait d'en avoir vraiment des différents comme Dogmeat, Nick Valentine et celui-ci. Voilà. Allez, à demain. Hop.